So 1, 2, 3 now, baby. Here we go. Ici le professeur John Pellet, enregistrement de mon rapport jeudi 8h00. Je suis perplexe. Tous les volcanologues affirment que ce volcan n'est plus en activité. Mais je ne sais pas, tout ceci est étrange. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, le volcan entre en éruption. Ah, nos missions avec calme et douceur, dans des postures plus gracieuses. Après ce que nous venons de vivre, les cours vont ressembler à de véritables vacances. Oh, en plus, demain soir, c'est le grand bal du lycée. J'ai tellement besoin de décompresser. Vous relâchez pas trop vite, les filles. La compète d'athlétisme a lieu cet après-midi. Et quand je vois dans quelle forme vous êtes, je me félicite de ne pas faire partie de votre équipe. Ah, zut, on avait oublié la compète d'athlétisme. Oublier le massacre de la compète d'athlétisme. Oh, rien que de m'imaginer en train de danser, ça me donne mal aux pieds. Bon, essayons de nous détendre. Oh ouais, et quelle détente. Ah, merci d'être venu. Vous tombez à point nommé, les filles. C'est pas comme si on avait eu le choix. Jerry, j'espère que c'est une plaisanterie. On revient à peine de la mission la plus éprouvante de notre vie. On est fatigués, vannés, épuisés. Détendez-vous. Vous croyez que c'est facile? Vous êtes sur le point de nous confier une autre mission. Oui, mais cette fois, mission, vacances. Vous ne serviriez à rien au WOOHP dans cet état de stress, donc je vous envoie au soleil. Tenez. Ah, laissez-moi deviner, ça c'est un gilet pare-balles pour s'échapper d'une prison en plein cœur de la jungle. Non, c'est une simple serviette éponge que l'on utilise pour se sécher. Ah, j'ai pari que c'est une perceuse ultra rapide et ça un type de gel explosif de quoi faire sauter un mur. Faux, c'est un parasol de plage et un écran solaire contre les brûlures. Et avant que vous me le demandiez, ceci est un pince-nez pour la natation. Génial! Et voici le kit gadget en cas d'urgence qui vous sera d'aucune utilité. Je veux être sûre de bien comprendre. Vous nous envoyez en vacances pour qu'on se détende? Que diriez-vous de Hawaï? Trop beau pour être vrai. J'ai encore une toute petite question. L'avion décolle à quelle heure? Dans 1 minute. Montez, j'en prie. Il est minuscule, cet ascenseur. Il nous conduit à l'avion directement? Mais qui vous parle d'avion? Un missile de croisière, c'est tellement plus rapide. Bon voyage, les filles. Je voyage jamais en missile. Je suis Julie, votre agent de voyage envoyé par le WOOHP. Vous êtes bien sûr Sam, Clover et Alex. Vos vacances sont entièrement planifiées. Julie, ça vous ennuierait d'être un peu plus naturelle? J'en crois pas, messieurs. On est vraiment à Hawaï. Dire que mon rêve le plus fou était de faire ce voyage. À deux pas d'ici, les danses hawaïennes nous attendent. J'y vais à une condition, que vous laissiez tomber votre côté pain-bêche. J'aime pas danser le Tawalunga. Vous pouvez aussi vous allonger au soleil et peaufiner votre bronzage. Voilà, ça c'est le genre de travail qui me convient. Moi, je veux de l'action, comme hier soir quand on dansait au son du groupe le plus génial de Beverly Hills, les Ultra Power Machines. Pardon. Excusez-moi, ma planche m'a échappé des mains. Moi, je m'appelle Alex. C'est quoi ton nom? C'est Corée. Je suis venu pour étudier les volcans avec mon professeur de sciences, ce qui est vraiment sympa, vu que mon rêve était de partir en voyage à Hawaï. C'est vrai, c'est pareil pour moi. Alors tu dois être comme moi? Ouais, ici j'aime tout, la nourriture, les gens, la musique. Quoique je ne sois pas un fan des danses hawaïennes. Ah bon? En fait, ce que je préfère, c'est une danse dont tu n'as sans doute jamais entendu parler. Elle s'appelle le Tawalunga. Oh, c'est incroyable! Moi aussi, j'adore cette danse, un coup du destin. C'est quoi ton groupe préféré? Oh, c'est pas facile, hein. Je dois choisir parmi des centaines. Mais je crois pouvoir dire que mon préféré, c'est Ultra Power Machine. T'es prévu, là? Non. Non, je devais juste accompagner le professeur à son camp installé en haut du volcan. Mais je ne comprends pas, il n'est pas venu au rendez-vous. Hey, est-ce que tu vas aller glisser sur les vagues? Oh oui, c'est génial. J'attendais que tu me le proposes. Le surf, c'est toute ma vie. Tu m'attends 2 secondes, il faut que j'aille dire où je suis à mes copines. Oh. Clover, t'as 1 minute. Explique-moi comment on surfe. Corée, jusqu'à quelle hauteur peuvent monter ces vagues? Je dirais 3, peut-être 4. Mètres? Oh, étages. Fois 4 étages. Et voilà, c'est parti. Oh, quelle sensation! Wow! Glisse, Alex! Corée, j'ai quelque chose à t'avouer. J'ai jamais surfé sur une vague de plus de 9-10 mètres. D'accord! Tiens bon, Alex! Corée! Clover, au secours! Clover, viens m'aider, vite! Au secours, je veux descendre! Accroche-toi, on arrive, Alex! J'ai les cheveux gravement endommagés. Et Corée s'est envolé. Il était là et soudain il s'est volatilisé dans un cercle de feu. On aurait dit une éruption volcanique. Ça ne ressemble pas à du sable. C'est de l'obsidienne, du verre volcanique. Ça t'arrive de sécher sur un sujet? Corée m'a dit que son professeur s'était évanoui dans la nature. Il devait venir le chercher pour aller étudier ce volcan. Tu crois qu'il y a un lien entre la disparition du professeur vulcanologue et le départ en fumée de Corée? J'ai un mauvais pressentiment, moi. Il faut appeler Jerry. Jerry, c'est Sam. Allô? Allô? Allô, Sam? Vous entendez? Ah, pas du tout, hein? Désolé. Laisse tomber ton poudrier, Aprilo. Essayons les nôtres. La trousse d'urgence va peut-être nous être utile. Manuel informatique pour espionne. Entrons le mot volcan et voyons ce que ça donne. En Islande, le WOOHP a un laboratoire de recherche sur les volcans. Peut-être qu'ils peuvent répondre à nos questions. L'Islande? Mais c'est très très loin, ça. Peu importe. Il faut voler au secours de Corée. Alex a raison, Clover. Notre mission nous appelle, il n'y a pas à hésiter. Coucou! Julie, nous devons aller au plus vite en Islande. Oh, aucun problème. Je vais vous arranger ça. Je te jure que si elle n'arrête pas avec son sourire niais, je l'écranglerai. Pas le missile! Que faites-vous dans notre beau pays en petite tenue, oh? Ça vous ennuierait qu'on en discute autour d'un grand bol de décaféiné bouillant? Docteur Sorenson, vous a-t-on envoyé un rapport sur des éruptions volcaniques à Hawaï? C'est très important. Oui, j'en ai reçu un hier et un autre ce matin. Les deux éruptions sont situées près d'un volcan inactif. Nous en avons déduit qu'il s'agissait d'une erreur. Si c'était bien des éruptions, notre volcanologue, le professeur Pellet, actuellement sur place, nous en aurait informé. Le professeur Pellet? Mais justement, il a disparu depuis hier, et son adorable étudiant coréen a disparu aujourd'hui dans un cercle de feu. Hein? Qu'est-ce que... Voilà qui confirme un bug dans notre système. Et s'il s'agissait de véritables éruptions? Très cher, si tous ces volcans devaient maintenant entrer en éruption, cela signifierait une destruction massive du globe. Donc on peut retourner à Hawaï en toute sécurité? Vu toutes les personnes qui disparaissent, vous n'y serez pas en sécurité. Vous avez vraiment envie d'y retourner? Oui. Je vois quelque chose là-bas. On dirait du verre. Attention, c'est instable. Tu m'as sauvé la vie, Clover. Est-ce que tout va bien en bas? Wow. T'as pas été longue à me renvoyer l'ascenseur, Sam? Si Pellet était rentré tranquillement chez lui, il ne les aurait pas laissés ici. Regardez une caméra vidéo. Génial, on va pouvoir se filmer toutes les trois. N'y touchez pas. La caméra a peut-être enregistré un indice. On va rembobiner pour savoir ce qu'il faisait. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a bien eu une éruption. Et le professeur Pellet a disparu de la même façon que Corée. Quelque chose ne va pas. Si tout n'était que lave en fusion hier, comment se fait-il qu'aujourd'hui les rochers soient toujours intacts? Laisse-moi regarder. Alex, va jusque là-bas. C'est ici qu'il était? Exactement. Vous voyez cette fissure? Mais oui, là! Y a pas de doute, c'est un piège! Corée, tu vas bien? Alex, allez-vous-en, sinon vous aussi, vous allez être capturés. Des intrus! Je viendrai te chercher, Corée! On vient d'atteindre le centre du volcan. On dirait que ce laser géant fait bouillonner la lave. Je parie que cet endroit est relié à tous les autres volcans de la Terre. Quelle espèce de monstre a bien pu inventer ça? Je crains que ce ne soit moi. Docteur Hephaestus pour vous servir. Mon but est de tout détruire dans un proche avenir. Pardonnez-moi de vous avoir causé une telle frayeur. Ravi d'avoir fait votre connaissance. On va pas vous déranger plus longtemps. Au revoir. Arrêtez-les, ne les laissez pas s'enfuir. Vous n'allez pas nous cacher nos vacances. Posez ça avant de blesser quelqu'un. Prenez garde. Regardez ce que le feu volcanique a fait à mon visage. Il en fera autant au vôtre. Mon installation peut mettre tous les volcans de la Terre en éruption. Et lorsque le monde sera recouvert de lave, tous les humains de la planète me ressembleront. Vous avez de graves ennuis, docteur, mais je suis persuadée qu'il suffirait d'un bon nettoyage de peau. Vous savez, elle a raison, la semaine dernière, j'avais un petit bouton, on aurait dit une sorcière. Très juste, pourtant on a continué à t'aimer. Votre plan machiavélique ne marchera pas, Hephaestus. Nous vous empêcherons de le mettre à exécution. Apparemment, Hephaestus ne tient pas compte de notre avis. Nous avons presque atteint la lave et cette chaleur est désastreuse pour mes cheveux. Chaleur? Mais peut-être que mon poudrier a séché. Jerry? Jerry? Oh, y a rien à faire. Sam, appelle le docteur Sorenson. Sam, est-ce que vous allez bien? Je dirais qu'on a un peu la tête à l'envers, docteur. Vous pouvez joindre Jerry? Je suis trop occupé, malheureusement. Tous les volcans de la Terre commencent à se réveiller. Il faut qu'on trouve une idée. La lave en fusion va recouvrir la planète. Sans parler de nos pauvres cheveux. Alex, donne-moi ton pince-nez. Ah, t'es drôlement forte au lasso. Dépêchez-vous, attrapez-les. J'étais sûre qu'il dirait ça. Séparons-nous. Venez donc les chercher, les clés. Regardez, elles sont juste là. Merci. Venez nous aider à détruire cette machine à volcan. Il faut l'arrêter immédiatement. Oui. Ah. La lave arrive presque à notre niveau. Attention, le pied. Eh, vous sentez pas, il y a une odeur d'ail? C'est plutôt fort, du genre pimenté. De toute façon, ça n'a rien à voir avec de la lave. C'est de la sauce mexicaine, ça. Exact, mesdemoiselles. Hephaestus? Il n'y a jamais eu d'Hephaestus. C'est Jerry! Et vos hommes de main sont de vrais agents du WOOHP? Et Corée est en réalité... un intello? N'essayez pas de détruire la planète, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout cela faisait partie du test. Rien de ce qui s'est passé n'était réel. C'est exact. Ce faux volcan fut un jour un repère de malfaiteurs. À présent, nous nous en servons pour nos tests annuels. Alors, vous nous testiez? Est-ce qu'on a réussi? Non, la lave vous a atteint avant que vous n'arriviez à sauver le monde. En conséquence, vous allez devoir repartir en entraînement. Correct. T'étais dans le coup, toi aussi? Moi, je m'appelle Moray, papa Corée. Alors, ta danse préférée, c'est pas le Tawalunga? Ah, je dis désolé, il y avait un micro dans ton sac de plage, je sais même pas danser. Qu'est-ce que c'est, Jerry? C'est encore un nouveau test? Non, cette fois, c'est vrai. Génial, on perd la rencontre d'athlétisme, je tombe amoureuse d'un idiot, il manquait plus que ça. Sous le faux volcan, il y en a un vrai, et il est en éruption. De la sortie. On est piégé. Ah, reculez. C'est de la véritable lave en fusion. Quelle ironie du sort. Faites attention. Oh, si seulement on pouvait s'envoler par là. Mais bien sûr. Alex, ton parachute, tu l'as bien remis dans la trousse d'urgence. Oui, mais je vois pas ce qu'on peut en faire. Un ballon d'air chaud. Si toutefois on arrive à l'ouvrir dans le cratère. Ça, je m'en charge. Ah. Eh bien, je crois que c'est gagné. Merci, les filles. Vous avez fait preuve d'une grande ingéniosité. Vous voulez toujours nous recaler? Non, vous avez réussi. Avec mention. Génial. Que diriez-vous de vraies vacances maintenant? J'ai entendu parler de double personnalité, mais ce Moray était vraiment ridicule. Et si on oubliait Hawaï et qu'on profitait du bal? Je me demande quel thème a été choisi.